Si tu arrives dans ta chambre et tu vois ta copine en train de regarder un film gay, tu crois les gays, non? Quelle sera ta réaction? Bon, si je regarde les films guerre, d'abord moi je suis aussi fan des choses de guerre. Donc peut-être que ça explique un peu, peut-être qu'elle veut faire dans l'armée, donc j'imagine quand même que c'est une bonne chose. Et si c'est que tu arrives dans la chambre de ton ami et tu le vois en train de regarder un film porno de deux garçons, quelle sera ta réaction? Il dit que, man, mais porno de deux garçons. Ouais. Ton pote est ton meilleur ami. Mais attends, c'est le meilleur ami, mais mon frère, c'est un PD, man. Ça va me laisser, Seigneur. Ha! Je respecte. Si vous arrivez dans votre chambre et que vous trouvez votre mari ou votre gars en train de regarder un film où il n'y a que deux actes et que sont les garçons, quelle sera votre réaction? Oh, deux films gays, papa. Il me déshabille. Garçons. Deux garçons, il me déshabille. J'entre au milieu. Continue. Si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ta copine en train de regarder un porno lesbien, quelle sera ta réaction? S'il y a une possibilité de call sa copine, l'angère. Donc quand vous dites que tu la regardes en train de regarder ça, tu choisis une fois de chercher sa copine. Ouais, ouais. Mais si c'était le porno gay là, ça allait devenir un problème. Oui, mais deux lesbiennes, c'est bien. Ouais. Entre hommes, en fait. Donc si c'est que tu trouves que c'est deux garçons. Non, non, là, c'est ça le problème. Comment ça? Ça signifie que je ne sais vraiment pas quelle est sa sexualité. Qu'est-ce qui l'amène à regarder ce genre de choses? Oui. Je me pose des questions en fait. Oui, mais en même temps, elle peut voir deux garçons bandés, ça la plaît. Et quand c'est deux filles, par exemple. Mais deux garçons qui se pénètrent. Il faut aussi comprendre ça. Donc. Et si toi tu arrives chez ton pote, tu vois il est en train de regarder deux gars qui sont en train de faire, tu vois comment? Quelle sera ta réaction? Ce n'est plus mon pote. Ce n'est plus. C'est plus ton pote. Non. Tu changes d'amis. Ouais, immédiatement. Tu commences, tu es en danger. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais, il peut m'arrêter comme ça un jour dans la nuit. Je te remercie, frère. Si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ta copine en train de regarder un porno gay, quelle sera ta réaction? Très simplement, moi, je m'assois à côté d'elle, on regarde. On passe la soirée ensemble, on regarde. Et ces deux garçons qui sont en train de bander sérieusement, vous regardez? Non, non. Les problèmes. Les problèmes immédiatement. Pourquoi les problèmes? Bah, parce que c'est pas quelque chose de visible. Femme, ça passe encore, mais garçon, mais easy gars. C'est pas normal. Et si tu arrives dans la chambre, tu vois que c'est ton pote qui est en train de regarder un porno de deux boys, quelle sera ta réaction? L'amitié va finir. Là. Ça, c'est là, ça finit une fois. L'amitié finit. Tu comprends que tu es en danger? Ah, ouais, bien sûr. Je te remercie. Ok. J'ai déjà, tu vois, elle est en train de regarder un film porno, hein. C'est deux filles ou bien c'est deux garçons, ouais. Ça ne te dérange pas? Bon non, pour ça dérange, effectivement ça dérange parce que une fille, moi je suis là, je viens, j'entre, je te vois comme tu vois les films pour nous, je sais que c'est très mauvais. Mais pour deux filles, tu regardes pour deux filles et pour deux garçons? Non, pour moi ça ne me plaît pas du tout. Ça ne te plaît pas du tout? Non, ça ne me plaît pas. Yeah. Ah, c'est inadmissible et c'est et pas quel, et quelle sera ta réaction en ce moment? Bon, ma réaction en tant qu'un homme, quand même, je peux rien dire sur le champ, mais après quand même, je peux arracher le téléphone avec elle et après, je la conseille. Au cas contraire, le contraire est bon. D'accord. Mm-hmm. Et si c'est chez ton ami, c'est ton pote, tu arrives chez ton pote comme ça, il est en train de regarder un film de deux garçons, quelle sera ta réaction? Non, pour ça, je vais... Pour la réaction, elle est immédiate. Pour nous, les Africains, toi, Africain, né d'avoir la philosophie, c'est sûr que je vais l'insulter. Oui. Parce que c'est impossible ou soit c'est pas du tout correct pour que toi, un homme, tu restes, tu regardes. Au moins, si c'est pour les filles, là, au moins, peut-être, je peux le comprendre. Mais quand c'est entre les hommes, ça veut dire qu'ils prennent derrière le chemin des PD. Donc, ça ne me plaît pas, quoi. D'accord. Voilà. Je te remercie. OK, merci beaucoup. Si vous arrivez dans votre chambre
et que vous trouvez votre mari ou votre gars en train de regarder un film où il n'y a que deux acteurs, que sont les garçons, quelle sera votre réaction? Si j'entre dans ma chambre, je trouve mon mari en train de regarder un film... Un film porno, non? De deux garçons, quelle sera votre réaction? Ma réaction serait qu'il est pédé. Subitement, tu vas conclure. Oui. Et s'il dit qu'il voulait, est-ce que c'est par curiosité qu'il voulait voir ça? C'est pas par curiosité, il ne doit pas regarder ce genre de film. Comment ça? Il peut aussi demander, mais ça fait même comment quand ces deux garçons qui le font, il veut savoir. Mais il regarde aussi. Tu le surprends? Ah, de toutes les façons, je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est pas gentil. Pour toi, tu supposes qu'il est là de l'autre côté? Oui. Et te remercie. Si c'est que tu arrives dans la chambre, dans ta chambre, et tu vois ta copine en train de regarder un film lesbienne, d'un film pornographie de deux filles, quelle sera ta réaction? Mon frère, là c'est compliqué. Tu réagis comment? Gars, je sors normal. Tu sors, tu la laisses. Mon frère, c'est pas pour moi. Il pense que tu as une lesbienne. C'est... Non, tu ne sors pas. C'est ta fille, c'est ta copine, mais tu arrives. Tu te rends compte qu'elle regarde le film là, tu réagis comment? Gars, c'est très compliqué parce que quoi, c'est bizarre au fait de voir sa copine regarder un film pour lesbienne, oui. Pornographie lesbienne, c'est très bizarre au fait. C'est très bizarre. Très bizarre. Tu vas pas te dire que peut-être elle est même déjà ce qu'elle regarde. Oui, c'est que c'est justement, elle doit être là parce que je me suis trompé. Si elle te dit que c'est pas curiosité, qu'elle a. Il n'y a pas de curiosité dans la vie. Comment ça? Non, quand tu regardes un truc, c'est un fait réel. Un fait réel. C'est vrai que tu le pratiques. Et si c'est que tu arrives dans la chambre de ton ami? Et tu le vois en train de regarder un film porno de deux garçons. Quelle sera ta réaction? Gars, il dit qu'il y a un man. Ouais. Porno de deux garçons. Ouais. Gars, ton pote est ton meilleur ami. Mais attends, c'est le meilleur ami, mais mon frère, gars, c'est un PD, man. C'est un PD. Parce que je ne vois pas quel garçon pourrait s'intéresser à un film pornographique de deux garçons. Au mais moins, si tu réponds que ce n'est pas curiosité. Non, il n'y a pas de curiosité, mon frère. Il n'y a pas de curiosité. Ça veut dire qu'il fait ça. Il le met en pratique quelque part. Il veut juste soit prendre certaines positions pour aller le pratiquer. Ça, c'est clair. Je te remercie. D'accord, mon frère. Si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ta copine en train de regarder un film lesbienne, mais un film gay de deux filles, quelle sera ta réaction? Je la trouve avec une fille ou bien elle est seule. En train de regarder un film pornographique de deux filles, quelle sera ta réaction? J'entre directement en scène et je fais le travail. Donc tu ne vas pas t'imaginer que non, peut-être... Non, il va m'imaginer. Peut-être elle est là pour regarder, pour avoir des vidéos ou bien pour voir comment ça se passe. Moi, directement, j'entre en scène. Directement? Oui, parce que là, je suppose qu'elle est dans la chaleur. Oui. Et il fait le travail. D'accord. Oui. Et si tu arrives tu arrives chez ton ami et il est en train de regarder un film gay de deux garçons, quelle sera ta réaction? Mon ami, tu mets deux garçons. Oui. Non, directement là, je mets complètement au jeu. Ouais, je bats directement. Même s'il te dit que c'est pas curiosité. Non. Du coup, un jour, de ces jours, il peut faire ça sur moi. Donc, du coup, j'évite là, l'idée là. Du coup, il a dans la tête. Oui. Donc, il voit comment ça se fait pour demain pratiquer ça sur moi. Tu anéantis ça à distance. Oui, je mets au jeu directement. D'accord. Ouais. Je te remercie. D'accord.